Bientôt la fin de la galère à Vubel. La piscine fuyait suite à des malfaçons entre les trois bassins et les bassins de stockage. On perdait ici 100 mètres cubes d'eau minimum par mois. En un an de fonctionnement, on a environ 40 000 euros de facture d'eau, voire peut-être un peu plus. Donc ça représente quand même un chiffre conséquent. D'où l'intérêt de ces travaux pour limiter au maximum toutes ces petites fuites résiduelles qui polluaient le fonctionnement de ce site. Il est trop tard pour se retourner contre l'entreprise qui a effectué ces malfaçons. Le chantier global va coûter 560 000 euros, 90 000 de plus que le budget initial. Un an de travaux pour tout refaire, le béton qui était poreux, l'étanchéité et les carrelages. L'ouverture est proche. Le chantier a repris un grand coup d'accélérateur et notre objectif c'est le livrer courant de ses vacances. Par contre, le temps de la remise en exploitation, etc., la piscine sera opérationnelle pour la rentrée de août 2019. La fin contractuelle du chantier est prévue courant du mois de juillet. Donc on arrive vraiment au bout courant du mois de juillet. Si les nouvelles sont bonnes à Vubel, elles le sont moins à Plateau Caillou, où la piscine devrait être, elle, fermée à partir de juillet 2020. Et pour un an de travaux également, des travaux similaires pour les mêmes malfaçons.